L'État a été prévu sur ce point-là parce que le taux était de 3%, ils l'ont ramené à 5% du chiffre d'affaires. C'est plus même que là-bas. 5% du chiffre d'affaires. On s'est même posé des questions, est-ce qu'ils n'étaient pas dans une théorie universitaire? En fait, les objectifs sont assez. Si vous regardez la convention de concession, ce qu'ils ont fait, ils ont bien réfléchi. Ils ont fait obligation à Sonatel de faire une couverture mobile population et ils lui ont assigné un objectif spécifique sur la 4G et non pas sur la 3G. Alors tout est parti de là, tout est parti de ces deux points. La couverture du territoire, le fait qu'on hérite de nouvelles règles, sans discussion. Donc, nous contestons aujourd'hui le fait que les gens de la RTP ne puissent pas aujourd'hui écouter nos experts, parce que c'est notre domaine, nous sommes des experts dans ce domaine. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et à plusieurs reprises, il y a eu quand même des annulations ou bien des réductions. Donc, nous demandons aussi l'audit de la RTP. Parce que Baptiste l'a dit, on paye, on a payé 170 milliards, rien que ce matin. Je ne sais pas ce que les autres opérateurs ont payé pour le fonds universel. Et ce fonds-là devait servir à couvrir les zones blanches et les zones enclavées. Et aujourd'hui, pour nous, nous exigeons que l'AFP nous dise qu'est-ce qui a été fait. C'est une société sénégalaise. C'est vraiment un peu notre fierté. Moi, c'est ma philosophie. Alors, pour que les gens puissent un peu expliquer que vous êtes des victimes comme nous, Sénégalais, parce qu'on est tous des victimes, hein, en investissement ou en investissement de la Sonatel pour qu'elle soit plus performante ou en investissement pour le développement du pays. Donc, pour l'outil maintenant, nous, on est perdants. L'AFP nous le dit parce que la manière dont ils ont été choisis, c'est à quoi ils servent, ils ne font que ce qu'on attend d'eux. Tu sais, dans ce pays, nous, tout le monde manque de problèmes. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez jamais rien. Aujourd'hui, nous avons besoin en interne d'avoir un autre, parce que les deux géants, c'est les Français et l'État. Et nous, nous sommes au milieu et nous nous battons pour les intérêts du Sénégal. Mais si l'État ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il faut qu'il s'assied vraiment pour pouvoir encore mieux bénéficier de la Sonatel, cela nous pose problème. Cheikh Tidiane Mbaye avait une stratégie qui consistait à tout le temps nous mettre à nu. Tout le temps, tu savais ce qu'il voulait, où il voulait aller, quels étaient ses problèmes. Et nous, on disait quelles sont les difficultés, à quoi, quel est notre intérêt, nous, à vous soutenir. Puisqu'il sait que nous sommes en train de nous faire, notre intérêt, c'est de défendre les Sénégalais.